Premier Planète Gemli présente 5 dodos avant Noël. Une histoire écrite par Laurence Marianne, illustrée par Gaffar Sanoussi et racontée par Herman Bonny. La mine compte sur ses doigts. 1, 2, 3, 4 et 5. Il reste 5 dodos avant le soir de Noël. C'est maman qui l'a dit. La mine est pressée d'être au matin de Noël. Cette année, il souhaiterait avoir un vélo pour faire la course avec sa cousine Janice. Pour patienter jusqu'au passage du Père Noël, chaque soir, tu vas lui décrire ton vélo en ajoutant un nouveau détail, propose maman. Bonne idée, maman, acquiesce la mine. Le premier soir, alors que la mine passe un moment avec papa, il formule son souhait. « Petit papa Noël, apporte-moi un beau vélo rouge. » Le deuxième soir, alors que la mine joue avec sa nounou, il demande. « Petit papa Noël, apporte-moi un beau vélo rouge avec deux petites roues qui s'illuminent. » Le troisième soir, alors que la mine est avec maman, il complète son souhait. « Petit papa Noël, apporte-moi un beau vélo rouge avec deux petites roues qui s'illuminent et une sonnette. » Le quatrième soir, la mine s'amuse avec sa cousine Janice dans une petite tente. Il imagine de nouveau le vélo de ses rêves et réalise qu'il manque un accessoire indispensable. La mine complète son vœu. « Petit papa Noël, apporte-moi un beau vélo rouge avec deux petites roues qui s'illuminent, une sonnette et un casque rouge pour protéger ma tête. » Le cinquième soir, la veille de Noël, alors qu'il prend son bain avec mamie, la mine se rend compte qu'il a oublié quelque chose de très important. Alors il dit « Petit papa Noël, apporte-moi un beau vélo rouge avec deux petites roues qui s'illuminent, une sonnette et un casque rouge pour protéger ma tête, s'il te plaît. » À présent, la mine est certaine de voir son vœu réalisé. Après son bain, la mine va dans la cuisine. Papa l'aide à préparer un goûter pour le Père Noël. Peut-être que petit papa Noël aura une petite faim, se dit la mine. C'est enfin le matin de Noël. La mine saute du lit et court dans le salon. Sous les branches et les guirlandes du grand sapin, il voit un énorme paquet avec son prénom écrit dessus. Papy s'assoit par terre pour aider la mine à tirer sur le gros ruban blanc qui entoure son cadeau. Une fois le paquet ouvert, la mine découvre un très, très, très beau vélo rouge avec deux petites roues qui s'illuminent, une sonnette et un joli casque rouge pour protéger sa tête. La mine dit « Merci, petit papa Noël !» Tout le monde a le devoir d'être poli. Grand ou petit, on a toujours mille et une occasions d'être poli. Saluer quand on rentre dans une pièce, dire « s'il te plaît » lorsqu'on demande quelque chose. « Bonjour, merci, pardon, s'il te plaît » sont des mots magiques et ils touchent les grands comme les petits.